Bonjour et bienvenue dans ce nouveau hall action. J'y suis allée ce matin, jeudi 29 juillet 2021. Là, il est bientôt 13h, donc je vais vite faire cette vidéo pour aller faire à manger. Alors, je vais commencer par vous montrer des choses hors scrap. Donc, on commence tout de suite avec du shampoing, puisque monsieur a hurlé ce matin. Il est où? Il est où mon flacon? C'est juste le troisième qui disparaît depuis le mois de janvier, donc c'est vrai qu'il en a un petit peu marre. Il en a marre, et moi aussi. Ensuite, toujours pour monsieur, de quoi se raser de près. Oui, parce que pareil, je ne vois rien dans le miroir, patati patata. Donc, un petit miroir amovible avec des piles et qui fait de la lumière. Et les piles, bah, sont là, comme ça, il n'y a pas d'excuses. Donc, ça, c'est fait. Un petit peu de déco pour moi, avec un panier et la grande sœur. Parce qu'en fait, je vais le mettre, j'ai bougé mes affaires, il est ici, là, sur la commode, et pour me faire un petit coin cosy, puisque je fais des vidéos lecture, et j'ai vu qu'il y a des filles qui rangeaient leurs livres en cours de lecture dans les paniers. Donc, je fais, ah tiens, c'est génial. Et puis, bah, comme je suis passée par un rayon décoration pour une fois, j'ai vu ça. Je fais, ah, c'est sympa, c'est exactement ce que j'aime, du bois, du métal, le style que j'aime bien. Parfait, je prends. Voilà les explications. Alors, ensuite, bah, on arrive au rayon scrapbooking. J'ai craqué. Pour des nouveaux sets d'aquamarqueurs. Donc j'ai pris le vert et le rose. De ce set-là, je vais refaire entièrement mes feuilles nuancier. Parce que j'avais fait par boîte. Et là, je pense que je vais faire par numéro. Puisque bah, il sort toujours des nouveaux conditionnements avec des nouvelles couleurs en fait. Donc bah, faut se mettre à jour, tout simplement. Donc ça. La colorisation, mais en fait, j'avais vu aussi ceci. Ils ont sorti des nouveaux blocs de dessin, enfin déjà imprimés, et là ils sont embossés. Donc j'en ai pris deux, il y en avait quatre, il me semble. Il y avait un avec des animaux d'ailleurs, mais ouais, les animaux c'était pas tous top top, donc j'ai préféré. Donc là, c'est surtout des maisons. Et là, c'était tout ce qui est floral. Et comme j'ai pris, comme vous avez pu voir, vert et rose au niveau des crayons, bah, ça sera parfait. Ensuite, eh ben, écoutez, j'ai craqué premièrement sur les blocs 15-15. Donc celui-ci, c'était surtout pour un en particulier. C'est pour celui-ci. Parce que franchement, j'adore être trop beau. Celui-ci, et il y en a un autre aussi qui était sympa. Voilà. Celui-ci. Je trouve plutôt pas mal. Donc là, pour Flower Collection. Ensuite, j'ai pris. Je sais même pas les noms. Happy Colors. En fait, c'est surtout pour les macarons ici. Et puis, bah, il y a quelques. Ceux-là, pas mal aussi. Et puis, là, un peu aquarelle. Après, c'est vrai que les autres sont. Voilà. Hein, forme basique, j'aime pas trop. Mais bon. Le basique Black and White. Celui-là, très très sympa. Et mon préféré, celui-ci, dans les tons vert et jaune. Allez, encore un lot de papier, les paper blocks, et je vous montre. Donc, ceux-là, c'est ce que j'avais trouvé il y a pas mal de temps, mais bon, je vous les remontre puisqu'ils étaient encore en rayon. Donc, tout ce qui est couleur lavande et le muffin. Celui-là, je sais plus s'il y était, mais bon, j'aime bien aussi. Et le petit nouveau que j'ai craqué, voilà, c'est thème jardinage, parce qu'il y a beaucoup de die cuts en fait, et bah, je trouvais ça plutôt sympa. Bon, là, désolé, c'est sur le côté, mais bon, vous voyez un peu les motifs. N'hésitez pas à faire des ralentis ou des pauses sur les pages qui vous intéressent. Et c'est surtout qu'il y avait pas mal d'étiquettes. Et je les ai trouvées plutôt sympas. Moi qui ne suis pas très très étiquette. Celle-là, ça va. Non. Ouais, c'est plutôt celle-là qui m'intéressait. Celle-ci avec les citrons et les glaces.
Et le dernier, là, avec le café, le muffin, est vraiment super chouette. Voilà. Donc ça, c'est les paper blocks. Et voici enfin ce pourquoi j'allais. Ah non, il y a qu'un autre chose. Ça, j'allais pas pour ça, mais bon. J'ai vu un truc. Je fais pas mal de recherches sur les mini-albums en ce moment. Parce que j'ai envie d'en faire, mais je suis carrément bloquée. Donc, je fais beaucoup de recherches et de visionnage sur YouTube, justement. Et j'ai vu une vidéo où il y avait une enveloppe transparente. Et en fait, ce score pâle, en fait, je l'ai revendu. J'avais celui de Stampin' Up. Mais comme je ne l'utilisais pas, je les ai revendus. Donc, l'enveloppe et la boîte. Et là, c'est un 2 en 1. Vous voyez à l'arrière. Donc, pour 3,49 €, je dis, allez, on y va. On y va aussi pour vous montrer ce que j'ai acheté, ce que je voulais absolument, ce que j'ai dû reporter la semaine dernière, samedi dernier, puisqu'en fait, ma carte bleue a été démagnétisée. Je n'avais pas encore reçu la nouvelle. Et ils ne prennent pas les chèques chez Action. Donc j'avais dû tout remettre dans les rayons. J'étais heureuse. Allez, je vous montre. Donc là, je les ai pris par deux. Thématique, ben, craft, en fait. Hein, donc, les taches de couleur, des feutres, du matériel, du patati, du patata. Le fameux trolley, je l'adore. Donc là, je l'ai pris en deux fois. Ah non. Ah oui, oh, trois fois. Ça n'a pas été rangé correctement. La dame a un peu tout mélangé de nouveau. Celui-là, je l'ai pris deux fois. Ouais. Alors, celui-là. Normalement, je l'ai pris deux ou trois fois, celui-là, mais bon, tant pis. Les petits chiens, ils sont trop, trop, trop choupinous. En plus, maintenant, j'en ai un comme ça. Il fait dodo là sur ma chaise. Et à l'arrière. Donc forcément les chiens, en plus le style est vraiment, enfin c'est ce que j'aime quoi. Donc j'ai pris en deux fois également ceci en deux fois, hein, des citronnades, des carves, hein, des tables, pas des tables, des draps de pique-nique. Donc ceci et l'arrière. Là je l'ai pris en une seule fois. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle collection hein, qui est sortie là ce mois-ci, en mois de juillet. Un peu de léopard. Là, c'est tout ce qui est fauve. Alors, ça tombe bien. En fait, c'est pas mon style, mais je compte faire un album. Puisqu'il y a 10-15 ans, j'ai été au zoo de Lille là, quand il était encore gratuit. Et j'ai mitraillé. J'ai des centaines de photos. Donc c'est pour ça aussi que je cherchais des albums photos. Parce que bah, je voudrais enfin le faire. Celui-ci, je l'ai pris en deux exemplaires. Voilà, trop trop joli. Un peu campagne. Et celui-ci également. Là, c'est plus la campagne, c'est la mer. Qu'on voit danser au son des. Machin clair, je sais plus comment ça s'appelle. Monsieur le Moussaillon. Donc voici un peu mes achats de ce jour. J'espère que vous avez pu voir des nouveautés, que je vous ai donné envie d'aller en acheter. Et puis, je vous dis à une prochaine fois.